Je suis issue d'une famille musulmane. Moi, en grandissant, j'étais à la quête de qui est Dieu. Contrairement aux autres personnes de ma famille, j'étais vraiment très ancrée dans la religion, à la quête du véritable Dieu, pour pouvoir le plaire, pour pouvoir marcher en accord avec lui. Mais mes quêtes, mes recherches, les livres, que ce soit le Coran et les autres livres que j'ai eu à parcourir, ne m'ont pas servi à grand-chose jusqu'à ce que j'arrive au Canada pour poursuivre mes études universitaires en 2007. En pleine étude universitaire, j'ai été confrontée à des problèmes financiers. Mes parents n'étaient plus en mesure de payer ma scolarité, qui était très chère. Donc, mon oncle et ma tante avec qui je vivais n'ont pas avalé cette problématique et ont fait de moi un sujet de honte, un sujet d'humiliation, un sujet de rejet. Et j'étais devenue un sujet de discussion même avec leurs amis. Après plusieurs recherches, j'ai fini par avoir une exemption de scolarité qui m'a permis de finir mes études en vraiment courte durée parce que j'étais concentrée là-dessus malgré les insultes à la maison qui disaient que je suis bonne à rien, je suis pas intelligente et d'ailleurs qui me prouve que je peux aller loin en me traitant de prostituée, en me traitant d'une personne écervelée. Pourquoi est-ce que je devrais vivre cette honte? Quel âge avais-je? J'avais à peine 21 ans. J'étais encore dans la fleur de la jeunesse. Je me suis dit, pourquoi est-ce que je devrais prendre sur moi ce fardeau? Pourquoi est-ce que je devrais prendre sur moi le fardeau des injures, des insultes de mon père? J'ai compris que l'homme pouvait avoir des désirs, mais de la volonté, mais ne pas avoir de la capacité pour aider son enfant, comme ce fut le cas de mon père. Je me suis dit très tôt, bon, il va falloir que je trouve un moyen, il va falloir que je trouve une solution parce que je ne veux pas continuer de vivre cette vie. Et l'idée qui m'est venue était l'idée du suicide. J'ai tout planifié, tout préparé et le jour où j'étais sur le point de passer en action, j'ai rencontré une femme qui m'a parlé de Jésus-Christ. Elle m'a abordé et m'a dit, mais pourquoi es-tu tant triste? Pourquoi as-tu des larmes aux yeux? Le Seigneur t'aime et il veut te consoler. Je lui ai répondu, mais madame, vous ne me connaissez pas. Pourquoi est-ce que vous me parlez ainsi? Elle m'a dit, si tu me donnes 5 minutes, je pourrais t'expliquer, je pourrais te parler, je pourrais te consoler. Je lui ai dit, allez-y. Les 5 minutes ont fini par durer 1 heure. J'ai fini par me rendre chez une inconnue, une personne que je voyais pour la première fois. Elle m'a parlé du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ainsi qu'en sortant de la maison, de l'appartement de cette femme, que Dieu soit béni pour sa vie, je suis rentrée musulmane, mais je suis sortie chrétienne. Une fois sortie de cette dame, j'ai retrouvé la paix. Je suis rentrée chez nous et j'ai commencé par méditer beaucoup le Nouveau Testament, le livre que la madame m'a donné. Et heureusement, malheureusement pour moi, un soir, mon oncle m'a surpris avec le Nouveau Testament et puis m'a demandé, tu lis la Bible maintenant? J'ai dit, oui. Et il m'a dit, depuis quand ça t'est devenu chrétienne? Je suis comme, oui. Il me dit, ah, est-ce que ton père le sait? J'ai dit non. Fait qu'il m'a répondu, dépêche-toi de le lui dire avant que je ne le fasse. C'est ce que j'ai fait la journée qui a suivi. J'ai appelé mon père pour lui dire, voilà, j'ai rencontré... une femme qui m'a parlé de Christ, je suis sortie avec la paix alors que j'étais sur le point de commettre un crime et tout. Donc, moi, ben voilà. Et la réponse de mon père est que ça se peut pas. Donc, sur ce, je te déshérite. Tu n'es plus ma fille, ne te considère plus comme
mon enfant, parce que je ne te considérerai plus dorénavant comme mon enfant. Fait que c'était difficile à avaler, mais je l'ai accepté. La soirée, au courant de la soirée, alors qu'on était à table, mon oncle m'a répondu, ben j'ai parlé aussi avec ton papa et il m'a fait savoir c'est quoi sa réponse. Il m'a dit qu'il te déshéritait. Donc étant donné que je suis son frère et que il te déshéritait, moi non plus je ne te connais pas. Je te donne alors quelques semaines pour sortir de ma maison. Je lui ai dit d'accord, merci. Donc je suis rentrée dans ma chambre. J'ai commencé par dire au Seigneur, ah, toi le Dieu que j'ai rencontré, voilà. On me donne quelques semaines pour sortir, mais je viens de finir mon bac. J'ai même pas de permis de travail. Je viens juste finir mon bac par écrit, dans le sens que j'ai même pas encore l'attestation, le relevé, rien. Et j'ai même pas de permis de travail, j'ai rien, absolument rien, je connais même pas comment ça fonctionne ici. Et le Seigneur me faisait savoir, sois calme et fais-moi confiance. Lorsque mon oncle et ma tante m'ont mise à la porte à cause de Jésus-Christ que j'ai accepté comme sauveur et Seigneur, le Seigneur m'a dit, ne crains rien, repose-toi sur moi. Mais j'ai aussi une demande à te faire. Je te prendrai en charge, je te le promets, mais tant aussi longtemps que tu pardonnes à tous ceux qui t'ont offensé. Je lui ai répondu, Seigneur, ils m'ont fait tellement de mal. Seigneur, ils m'ont plus que persécuté. Seigneur, ils m'ont complètement détruit. Le Seigneur dit, tu es libre de choisir, soit de pardonner, et de te retrouver sous mes ailes, soit de ne pas pardonner et je ne pourrai pas faire chemin avec toi. Donc, pour conclure mes 10 ans de témoignage, je dirais que le Seigneur est digne d'être honoré et ça vaut la peine de lui obéir, de vraiment lui porter attention, de ne pas vivre pour soi, mais de vivre pour lui. J'ai appris durant 7 ans à mettre de côté l'amertume, à pardonner lorsqu'il m'a demandé de pardonner, à embrasser la joie lorsqu'il m'a dit de mettre la tristesse de côté, à savourer sa bonté, à savourer son amour, à me reprendre en main moi-même lorsque je m'étais rejetée parce qu'il m'aime et il ne me rejette pas. J'ai appris au cours de ces 10 ans à marcher tout en le faisant confiance, à espérer en sa bonté, dans sa protection. J'ai appris au cours de ces 10 ans, surtout, à chercher à être authentique, à quitter le stade de simple chrétien à disciple de Christ. J'ai compris au cours de ces 10 ans hein? J'ai compris au cours de ces 10 ans que la fraternité a créé son action ici, a été un de mes soutiens forts. Pour cela, j'aimerais remercier le couple pastoral Ndelo et tous les pasteurs, toutes les personnes qui ont eu de près ou de loin à intercéder pour nous. Et vraiment, merci infiniment. Que nous réservent les 10 prochaines années, je ne saurais le dire. Mais par contre, je suis sûre et je suis certaine d'une chose. La foi qui est notre devise, la foi dont nous parle le pasteur Fofi, cette foi nous propulsera à des niveaux supérieurs. Sur ce, je vous souhaite de passer de joyeux temps de fête et que Dieu vous bénisse.